Salut à tous et bienvenue sur ce live de Vampire Survivors. On teste le mode coop avec l'équipe de Discord, avec Uzuzuk, Zikino et Akatsuki. Salut tout le monde. Bonjour. Salut. Alors globalement c'est vous qui êtes actuellement dans le chat, donc du coup bonjour. Gaelden qui était en vocal avec nous et qui nous a quittés, donc bonjour Gaelden. Il nous a quittés. Il nous a Paix à quittés. son âme. Paix à son âme, exactement. Mais suffisamment en vie pour pouvoir parler dans le chat. Allez, on était sur la fenêtre de sélection des personnages. Donc, salut Et qui le Gaelden. bleu? Alors le bleu qui est le bleu? Ça a l'air C'est d'être pas moi. moi. Ok, ce serait Usu le bleu. Alors on a fait un petit essai avant pour être sûr que ça fonctionne. En vrai, plutôt que de mettre personnage 1, 2, 3, 4, ils auraient pu mettre les noms des gens. Ouais, les noms Steam, Oui. c'était pas déconnant, ouais. Après, vu que c'est censé être que en local. Ouais, enfin ils savent que Alors. c'est du remote play. Ouais, ils l'avaient même mis dans la FAQ, ils savent que les gens vont jouer en remote quoi. Ouais. Je sais pas, c'est pas très vieux donc je pense qu'ils. Oui, Si on donc ça leur peut être remonte, une. ils le mettront à jour sûrement. Ouais, Peut-être une ça y a petite des amélioration chances. à faire. Est-ce que je prends les éclairs? Est-ce que je reprends les éclairs? C'était bien les éclairs. Ouais, je prends les éclairs. Caprice, snobisme et répulsion en bas là, c'est peut-être un nouveau truc. J'ai pas souvenir d'avoir vu Pas. ça effectivement. Faut que tu confirmes. Oui, non, c'est parce que je regardais où est-ce que le signe. Oui. Ah, est-ce que tu penses que ne que voler les objets aux gens, genre la bouffe quand on n'a pas besoin, ça pourrait te donner des malus? Si je connais pas celui-là. Non, je pense pas. Alors, est-ce que vous voulez qu'on se prenne une map, une petite map de DLC là? Ouais, vas-y. Allez, le Peak Moon Spell. C'est Y a une parti. map que t'as pas découvert, c'est ça? Ouais, juste au-dessus là. L'avant-dernière. Enfin, il est noté pas Ah encore oui, découvert. celle-là pas encore découvert, ouais. Parce qu'il doit falloir probablement atteindre un certain score sur une des maps. Ça peut être Oui, une non, map mais de challenge, challenge. On va pas prendre les arcanes parce que. On est là pour s'amuser. Ok. Ok. Ouh là, la musique. Ah, il se déplace vite ce perso. Ah oui, Ah la musique du. Elle envoie un petit peu du lourd. Hein. alors, qui prend quoi? Donc là, c'est C'est ça moi. comme. Alors, les niveaux, du coup, se montent un par un. C'est-à-dire que l'expérience est partagée entre tout le monde, chaque personne gagne un niveau un par un. On voit que les gemmes vont toujours vers un perso. Même si je moi prends l'XP, elle va vers le prochain perso qui va monter de niveau. Oula! C'est pas la même que juste avant! Crois que j'ai pris un coup. On prend quoi? On prend le pigeon? Pigeon ou l'aiguille de pendule? On avait parlé de tester le pigeon. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de tester le pigeon. Donc, moi, je pense que je vais prendre le pigeon. Voilà. Et vous pouvez voir en haut que chaque personnage n'a que deux armes et deux trucs accessoires. Et en fait, visiblement, Oh punaise, c'est on peut chaud ce mixer nos perso. propres armes, quoi. Genre là, bah voilà, celui qui prend l'épinard pourrait potentiellement faire améliorer mon arme. Est-ce que je te prends ça? Bah ouais, 10% de dégâts en plus, ça me paraît pas Allez. dégueu, hein. Et c'est pour tout le monde, Ça, donc. c'est surtout. Là, l'arc, la première fois que je teste, ça doit être un perso de DLC. Il tire une Oui. fois de temps en temps, hein. C'est Bah, il y a compliqué. peut-être un truc comme quoi tu tires que quand tu t'arrêtes ou. Ah! Pas fait gaffe, moi. Une baguette de feu! Plus de Ouais, on va feu! augmenter la baguette de feu, ouais, ça me va bien. Ça c'est la map de Moonspell, il y a une grosse flèche verte en haut qui nous dit qu'il y a quelque chose. On peut aller Alors, à voir. savoir que on peut pas sortir de l'écran non plus. On est obligé de rester Ouais. tous les quatre sur le même écran. Et globalement, c'est le joueur 1, celui qui a le jeu, qui lead quoi. Bah merci Elden. Zikino, il sert à rien. Comme d'habitude. Mais par contre, là, t'as rajouté Les les contours, couleurs là. des persos, là, Ouais. l'overlay, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est beaucoup plus clair. En vrai, ça aide. Hein. C'est. Ouais. Le fait Avant, il y avait d'avoir une en permanence flèche. les couleurs des persos. Là, il y a un fantôme boss à tuer, là. Parce que tu vois, nos persos, ils se ressemblent quand même. Mon petit Sini. Ouais, je pense qu'on est On un s'est petit. enfermé là, je crois. Ouais, Ouais. il faut qu'on s'arrache d'ici là. Comme nos persos, ils se ressemblent un petit peu, ça aurait peut-être été compliqué de les lire. Alors. Oh, l'amulette d'amitié. Ouais, l'amulette Plus d'éclairs, hein. d'amitié. Ouais, plus d'éclairs, c'est pas mal aussi.
Ah oui, c'est vrai que l'amulette d'amitié, ça faisait monter tout le monde. Ouais, l'amulette d'amitié, ça fait monter de un niveau tout le monde. C'est vrai que c'est quand même pas dégueulasse. Tout le monde ou toutes les armes? Toutes les armes. Toutes les armes, ouais. Toutes les armes de... Plein. De tout le monde. Ou une la première arme. Une arme aléatoire par personne, je pense. Niveau d'arme, ouais. L'une de ces armes au niveau supérieur, ouais. Donc sauf si tu veux débloquer des trucs, c'est vrai que c'est quand même pas mal, l'amulette d'amitié, si tu tombes dessus. Du coup, le spell stream, il me paraissait bien. Ça ferait plus de dégâts proches. Je sens que t'as un peu de mal avec ton perso. Ouais, ouais, pour le moment. Vas-y, je pars quand même là-dessus. Je suis où? Je suis là. Après, faut rester près des autres, du coup, mais... Oula. Attention, des fantômes. C'est pas la même que quand on avait l'ail et la Bible. Ouais, bah c'est pas la même. L'armée de chauves-souris, elle. C'est pas la même. On a pas des pop. Faut dire aussi. Bon, non, pas par là. On va s'en faire. Ouais, par là plutôt. Non, on va essayer de se faufiler si on va aller chercher la flèche verte là. Un peu de régène. Ou j'améliore ma baguette. Ouais, je pense qu'il vaut mieux essayer d'améliorer les armes que. Bah, ça dépend après, hein. Bah, là, vu qu'on a déjà tous au moins une arme, plus quasiment une deuxième, c'est bien d'essayer de se focus de un peu quoi, sur les améliorations. What j'ai l'impression que tout le monde a deux armes. Là, c'est tout le monde a deux armes, ouais. Ah, du coup, on n'améliorera pas le pigeon. Désolé. Très bien. J'ai mes deux améliorations d'armes. Après, on pourra améliorer le pigeon quand on aura fait de la place en améliorant deux armes. Quoi. Il y a des armes qui s'enlèvent. Il y a un fantôme là. Ah oui. Ah, il vient pas vers moi, c'est marrant, il doit essayer de viser quelqu'un, je sais pas qui. Certainement moi. Probablement. Je suis certainement le plus gros DPS de cette team. Non, on dirait que c'est moi qui l'aime bien. Ah merde. Je ne suis donc pas sa cible prioritaire. Alors, oh le duplicateur, ça c'est bon ça. Ça c'est bien ça. Allez. En même temps, ça me permettra de faire améliorer ma bague. Ah, le duplicateur avec toutes les armes qu'on a là, c'est assez abusé. Est-ce que tu tires plusieurs flèches du coup, Ziki? Il doit y avoir un truc, non, genre tu tires des flèches là, quand tu t'arrêtes ou un truc du style, parce que c'est vrai que ça a l'air lent ton attaque quand même. Mais après, par contre, c'est flèches traversantes et. Et ça a l'air de faire pas mal de dégâts. Plutôt là. Ah, regarde, à l'améliorer, tu diminues ton temps de recharge, donc tu vas tirer plus vite. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Peut-être qu'à la fin, il est overcheaté. Ouais, c'est à chaque amélioration, tu gagnes 0,5 secondes, ça peut aller vite. Ceci ressemble à un mur. Oui, on peut taper les ennemis à travers le mur. Ouais, comme il y a certains qui peuvent descendre aussi, je crois. Une boule de l'XP. Yep, c'est un mur aussi. Ah. Alors, le skill maniaque Clévo. Ah, plus d'ennemis, mais voilà, mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Et là-haut, ouais, non, c'est tout bloqué. La baguette. J'ai l'impression qu'on est coincé, enfin redescendre. Ouais. Et oui, le perso tire lentement, mais il se déplace vachement plus vite. Ouais. Donc, je pense que c'est juste l'équilibrage du perso qui m'a surpris au début. À droite. Je regardais pas mon perso. Horrible. C'est facile, c'est celui qui a un pigeon. Ah mais le pigeon il va pas à la même vitesse que moi. Bon visiblement la flèche verte a l'air d'être dans ce bâtiment hein, puisque il nous guide par là. Après ce qui est un peu horrible aussi c'est que comme la caméra suit pas ton perso, bah tu dois toi en permanence suivre ton perso. Ouais, et qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Ça a l'air un peu trop solide à mon goût. C'est le décès. C'est le décès. Ah bah. C'est un timer. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de rester à côté de moi. Par contre, tout le monde reste à côté de moi. Alors. Tous les méchants. Transperce 7 ennemis de plus. Vas-y, plus de dégâts. Ah oui, mais quand je vais sortir de mon cercueil, je vais exploser. Bah écoute, tu remourras. Ah, mais ils ont grossi en plus à côté de toi. On dirait qu'ils se sont nourris de ton cercueil. Non, c'est bon, ils nous suivent. Ah, je suis revivant. Ah, je reviens avec la moitié de ma vie. D'accord.
Il est énervé ce groupe là. Hein. Il y a un coffre là. Merde. Il y a le groupe au milieu. Ouais. Ah, zut. Peut-être dû laisser le. J'y vais. Ah, Usuzu qui est un peu dans la panade. Allez, c'est parti. Je cours très bien. Mais comment ça marche, ceux qui ont 5 améliorations à l'intérieur? Ceux qui ont 5 améliorations. De quoi? Les coffres qui ont plein. Ah, c'est 3 bah, max. Je 5. Sais pas, on verra. 3, 5, bah jusqu'à on verra. 5, ouais, on verra si on en sort rien. Aïe. Non, en plus, faut. Je crois que s'ils tirent dans la direction où. Ouais, c'est ça c'est aussi que je comprenais pas bien, c'est qu'ils tirent dans la direction où je me déplace. Ah c'est oui, logique, comme les dagues. Ouais, enfin, c'est logique quand tu. Pas quand t'es à l'arc et que tu veux kiter, quoi. Ah, oui, mais t'es pas censé kiter. Et que t'as pas le timer. T'es pas censé kiter, tu prends les dégâts pour nous. C'est ça, tu es censé être notre bouclier. Par contre, on a de la régène de vie sans ramasser de poulet parce que ma vie remonte. On avait pris un cœur, non? Non, on a pas pris le cœur. Après, avec toutes les améliorations que j'ai achetées, on a peut-être une régène de vie flat. Hein. Peut-être. Oui. Tu peux acheter des améliorations sur le menu là. Donc, ouais. Après, elle doit pas être énorme. Hein, parce que ça non, elle est pas monstrueuse non plus. Alors. Magnétisme. Oula. Ma connexion, elle a décidé que. Ah. Qu'elle clignotait. Non, ça marche très bien. Moi ça pixelise un peu, mais bon, après c'est remote play quoi. C'est un joli peu dodge, plus... Jésus. C'est toujours sympa de pouvoir jouer avec les copains sans forcément avoir le jeu quoi. Alors est-ce qu'on essaie de progresser vers cette flèche? Et une porte. Puis bon, mine de rien, ce jeu a quand même beaucoup de choses à afficher. Hein. Oui, quand même. Ouais. Pour une connexion, c'est pas. Carte du pic. Carte détaillée. Okay. Et bah, je suis content, ça va aller le coup. C'était. Quoi le gros monstre là, dégueulasse? Je sais pas, mais il a l'air un peu énervé. Ouais, ça fait un peu yokai et tout. Bah, de toute façon, on est au Japon. C'est censé être le style, ouais, hein, yokai. Hein. Comme les espèces de petits chats volants là. Ah, je suis mort. Ah. On est deux morts. Bientôt trois. Non, je vais m'enfuir. Ouais, mais vous enfiez dans deux directions différentes, ouais. C'est compliqué. Bon, bah, bientôt 4 alors. Ah, bah voilà, on est 3 morts. Ah, mais tu peux pas te barrer à cause des cercueils? Ah ouais, attention, on livre, c'est bon, c'est tu bon. Peux mourir. Ah, mais c'est horrible. Ah, bah, ça me paraissait. On est costaud, mais faut pas déconner non plus quoi. Putain, mais il grossit de plus en plus le yokai là, c'est quoi ce délire? Ouais, je comprends, c'est un peu bizarre. Mais même les petits chats volants là, ah, viennent gros. Bah, ils mourent. Il doit y avoir un gameplay où ils se nourrissent de notre vie ou un truc du style. Hein. Ouais, sur le cercueil, j'ai l'impression. Je sais pas. Ou quand ils attendent. Prends un petit. Le petit. Tous les armes au niveau supérieur là, c'est bien non? Et un pouletto. Merde, je suis mort, je crois. Mon poulet tire pas dans les directions où il y a les ennemis, espèce de con! Ah là là, on est tous morts. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, faut pas croire, mine de rien, le jeu il est énervé. Hein. Ouais, et puis comme ça nous bloque, comme quand on est mort en fait, on peut pas s'échapper de la zone où s'il y a un mec qui est mort en bas de l'écran, bah t'es dans cet écran là. Tu l'as dans le. Il suffit que tu sois un peu bloqué par les éléments du décor et t'es dans la panade. Tiens, je vais prendre la roqueuse avec son pouple. Ah, la roqueuse démoniaque. La roqueuse démoniaque, exactement. Je sais pas du tout ce que c'est que cette attaque, ça me dit absolument rien. Alors... C'est un caca. Je peux t'expliquer ce qu'on peut faire avec les cacas. Jeter sur des ennemis. C'est la drill, je sais plus quoi là, de. Ouais, de Deeproc, ça fait électrique. Penser à un drill ou à une corne. Je prends le vieux qui pue. Alors, est-ce que je prends Shenmue? Prends le démon. C'est l'armure. Ah oui, bah oui, voyez le démon. Mais oui. Ah mais c'est il a. Un jeu il pour a... moi. Je ne peux pas changer. Ça reste particulier comme jeu. Hein. Je ne peux pas changer le skin du perso. Je pense qu'il y a moyen parce que tout à l'heure j'ai vu quelqu'un réussir à amener la flèche sur le perso là. Mais... Remonte ta flèche.
Ou fais droite-gauche avec les flèches ou... Ouais, voilà. Ouais. Là, t'es dessus, là. Là, t'étais dessus. Si, t'étais dessus. Là. Après, peut-être A pour changer ou... Ouais. Oula. Je suis un tout petit démon. Je suis un petit démon, je suis un bébé démon. Non, mais peut-être que les ennemis me taperont pas, parce que je suis un enfant. Shobiti demande si t'as toujours des yeux, Gelden. C'est ça qui est demandé. Si, non, les pistolets, allez. C'est vrai qu'au bout d'une heure de ce jeu, tu fermes les yeux, tu as un peu de persistance. Ouais, ouais bah... Bon, bah faisons après, le lac Foscari, alors, pour changer. Après, c'est un jeu de l'addiction, hein, c'est ça le problème. Complètement, ouais. Oh, je me déplace. Voilà, ça va être encore pire, les couleurs, là. Alice au pays des merveilles, cette référence. Une hache, allez. Ah mais en fait je laisse des poupes derrière moi, effectivement. Ouais, ah, et, ah si, oui, ça va taper les ennemis, ok. Des c'est poupes des explosives. Tu as mangé mexicain. Un vieux avec une baguette. Un vieux avec une baguette. On va vers le nord du coup. Dumbledore. Vers la flèche verte. On suit la flèche verte. Ouais, on suit la flèche verte. Ah, tu peux faire évoluer ma hache. Ah, c'est bien ça. Allez, go. Augmenter la portée, c'est bien. Par contre, c'est qui est-ce qui tire des lasers dans tous les sens? Moi c'est qui tire des boulets. Ouais. En vert là. Avec les pistolets. Ça va, c'est moins tactique que l'arc. Oui. Bah, faut se placer, mais au moins. C'est compréhensible plus rapidement. Moi je jette des chakrams qui vont dans tous les sens. Et en fait, mes cornes là, elles attaquent dès que je m'arrête. Mais si je m'arrête pas, elles attaquent pas. Genre, en fait, quand je me déplace, j'en pose. C'est ça, les petits... Et dès que je m'arrête, elles attaquent quoi. Dans quoi? Dans le sens où je lui dis d'attaquer? C'est pas évident. Je ne sais pas. C'est un projectile de plus ou. Il y a personne qui a l'éclair de toute façon. Non, personne qui a l'éclair. Non, quoi que duplicateur, est-ce que ça va. Est-ce que c'était pas worse quand même? Parce qu'on a beaucoup d'armes de jet. Ouais, la prochaine fois. Oh, il est hyper dur à jouer ce perso du coup quoi, faut lancer les trucs dans le. Mais je pense que si tu laisses juste les trucs. Enfin, j'ai eu l'impression que si tu les laissais juste, les ennemis, quand ils marchent dessus, ils prennent des dégâts. Je pense que tu peux pas aller plus haut. C'est pas évident, il y a une porte à gauche là. On va rentrer dans un labyrinthe, c'est le bon plan je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, je vais prendre l'amulette d'amitié, allez hop. Oui, nous sommes tous des amis. C'est parfait pour l'arme en diagonale, le labyrinthe. C'est ça. Écoute, hein, t'as dit qu'il fallait que tu te places, hein, apprends un peu. Hein. Ouais, j'apprends, je me plains pas. Là, ça va. Ah. Quelqu'un. Ouais, je vais la prendre, allez, c'est cadeau. Plus d'XP. Ouais, mais ça t'a pris ton. Oula. Ça t'a pris un slot, c'est ça le problème. Oui. J'ai l'impression qu'on est en haut du labyrinthe et qu'on est un peu dans l'os là. Ah merde, il faut qu'on se replie. Il n'y a que moi qui ai cette impression. Faut qu'on descende. Ouais, pour retourner ailleurs. Pour regarder le signe noir sur Twitch, c'est bon juste pour les commentaires de Shobiti. Bah bravo. Ouais. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont coincés aussi. Hein, mais... Et ce qui est bien, c'est que la plupart de nos armes, sauf celle de Vikino évidemment, passent à travers le. Ouais, et. On se fait poursuivre par une cocatrice. Parce que. Heureusement, oula. Il passe pas. Je propose de ressortir de ce labyrinthe. C'est ça, je pense qu'il faut faire le tour. À droite. La croix en plus, hein. Ouais. Mm-hmm. Ça paraît bien, hein. On s'est attaqué par des gnomes avec des balais, exactement. Mais tout va bien s'ils ont des balais. Si ce n'est que des balais. Tant que ce ne sont que des balais. Après, ça dépend, c'est des balais à quoi? Parce que des balais à chiottes. Avec les petits poufs du cygne. Pétons cette cocatrice. Bon, t'as des projectiles. Bon, mais t'as tes deux armes améliorées pour pouvoir réussir à les monter, donc je pense que tu peux te faire plaisir. Ouais. Ah, mais toi, ça te compte comme. Ah, t'as déjà tes deux armes, toi, en c'est fait. C'est ça, je savais pas. Ce perso, il commence avec deux armes, c'est pour ça que t'attaques dans toutes les directions. Bah voilà. Ah. Non. Notre gauche est améliorée, félicitations. Et que la gauche pour le moment. Du coup, ça va être compliqué en vol, tu vas dériver un peu. Moi, je dis que ça a des tendances. Hein. Attention, on va tomber sur la politique là, ça va pas le faire.
On a dit pas de stream politique. Encore une coquette. Plus. Encore un gros poulet. Un gros poulet. Ah, y a un truc pour ramasser toutes les l'XP. On le prend tout de suite ou on repassera. Ouais, ouais, Zikino il sert à quelque chose. Hein. Tout à fait. Ah bah. Regarde, il prend toutes les comptes en plus. Voilà. Mais c'est à moi. C'est intolérable. Les coffres sont à moi. Les coffres, c'est pour moi. Ah, amélioration du démon. Et bah, améliorons le démon. J'ai l'impression qu'on est bloqué. C'est moi. Bah là, c'est ouais, meilleur toi-même, donc go. Hein. Oui. Croix, bah, toujours hein. La croix, je pense. Hein. Ouais. Mm-hmm. Non, là, y'a rien. À droite, go. On peut ramasser plus loin. Ils veulent pas tomber, non, les améliorations. Hein. Je suis parti où? Là. Qui c'est qui prend les dégâts hein? On est rebloqué. À droite non plus. C'est quoi cette map quoi? T'as pas débloqué la carte de la zone? Bah non, je pense que c'est ça la flèche. Ouais, il y a des chances. La carte elle est dans le vide. Est-ce qu'il fallait pas faire le tour de l'autre côté? Bah on va oui, tester hein. Je pense hein. Attendez, si je mets ouais non si je mets pause ouais c'est bien la carte mais y'a rien d'autre quoi. On passe par les points ou le ou l'armure par où, on se fait poursuivre par des par où on peut survivre. C'est quoi, c'est des castors, des de singes loups, hein. des loups-garous debout là, j'aurais dit des singes ouais mais c'est shipper. Mais en beaucoup d'exemplaires. Ah, peut-être des sortes. Ouais, des loups-garous. Toujours la croix. Il y a des écureuils, mais. Yann a pensé à la même chose, faut appeler Dora, donc. C'est bien, shipper. Ok, on part plutôt sur la gauche, allez hop, allons-y. Bon, oh, non, ouais. Je sais pas, tu pars à hop, gauche. Oui. Mal, hein. Mais je vais vite, du coup, ça va. Contre la vitesse, la santé, la quantité. Et la fréquence des ennemis, je suis pas sûr. Putain, mais non, mais je suis con. Dora, Shipper, c'est pas le singe. Shipper, c'est le renard. Oui, c'est le renard. Shipper, je vous fais confiance là-dessus. C'est ma bouche, le singe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as la carte. Gaelden n'est pas spécialiste non plus. Pourtant, il est prof. Hein. Faut montrer des trucs éducatifs aux enfants. Est-ce que la carte, en fait, il faut pas trouver le bon chemin dans le labyrinthe? Bah peut-être, j'ai l'impression qu'elle était quand même globalement Ça m'étonnerait qu'à moitié, hein, mais... J'ai l'impression que tout le niveau est un labyrinthe de toute façon. Ah, ouais. Ça c'est bien ça. Visage d'ennemi. C'est quand même badass, hein, le mi-ange, mi-démon, là. Envoie-les dans le bon sens, tes croix, espèce de... Bougre d'âne. Bougre de démon. C'est ça. Oula, une coquette géante. Encore une Encore un poulet. Un poulet géant. Un poulet. Alors Zikino, une fois qu'il a trouvé son angle, c'est la teuf quoi. Surtout, je me mettais surtout sur le boss, mais ouais. On va voir pour 3 du coup. Et alors Gaelden en lycée, les gamins, tu sais. Tu peux leur montrer Dora. Hein. Un petit peu de chance, parfait. Ouais. S'ils sont au lycée aujourd'hui, c'est qu'ils ont grandi avec Dora. C'est ça. Ça leur rappellera des souvenirs. Nous, c'était Franklin. Enfin, moi, c'était Franklin, en tout cas. Oh là là. J'ai appris à faire mes lacets en regardant Franklin. Pardon. Il n'y a pas de lacets, Franklin. Ouais, mais il sait le faire. Il sait les faire. Quand tu sais le faire, t'en as plus besoin. C'est ça. Une fois que t'as appris, pourquoi continuer? C'est ça, tu remets des scratchs. Et tout ça, la menthe religieuse, juste pour lui donner un XP. Ouais, c'était un petit peu l'arnaque. Ouais. Bon, on va peut-être dégager un chemin vers la droite, là. Vas-y, papy. Ouais, mais papy, il s'est fait manger, déjà. Des saloperies qui volent. Ouais. Attendez, je leur laisse des pères sombres derrière moi. C'est censé être de l'eau, allez, truc bleu. Non, je pense que c'est le jeu. Un vortex. Ouais, j'ai l'impression qu'on est plutôt genre en train de voler au-dessus, quoi.
Bon, les labyrinthes, super. Ah, ah bah on est ça valait la peine, hein. Il y a une croix. C'est le même. Bah, c'est le même labyrinthe, mais c'est à côté, du coup. Voilà. Du coup, on continue à faire le tour. On essaie d'aller. Attendez, si on met la carte. Hein. Bah, on a pas eu le choix, on était obligé de rentrer dedans. Bah, on pouvait continuer sur la gauche, quoi. Ouais, il y avait peut-être un pont à un moment pour passer par-dessus le vortex, je sais pas. Mais non, allez dedans, on va se faire confiance. Ah, c'est le même. Par ici. Oh, c'est pareil, ouais. Non, faut en descendre là. Bon, on essaie de ressortir sur la gauche. On est d'accord que les orbes ça choque pas l'XP sur tout le niveau, hein. Si, quand c'est une que tu trouves, ouais, quand ça choque dans tout le niveau. Voilà la bonne désintégration là. Hop là, à travers les murs. Un projectile de plus ou vitesse de base. Y'a pas quelqu'un qui a l'ail? Pourquoi ça me. Hein? Si, j'ai l'ail. Elle est pas trop loin là, on peut plus prendre le pirate. Ah. On peut plus prendre. Désolé. On était en train de le laisser oula, le. Oula, oula, oula. Ouh, il s'énerve là. Un peu le bordel ici. Ouais, 7 peu, minutes 30 là. C'est quoi, c'est la rêve partie qui s'est terminée? Ouais, Gaelden, faut que tu regardes Project Zomboid si tu veux voir des gens conduire de qualité. Ah! Y'a un pont. Il est où, papy là? Viens nous protéger avec ton ail là. Il va beaucoup trop vite, papy. Ouais, mais y'a personne qui me protège pour que je protège les autres avec mon ail. Si, moi je lance des chakras un peu partout. Ah là, y'a un gros ton. Y'a Denver. Denver. Et y'a des champignons qui marchent. Le vieux il a pas mangé un truc pas frais là. C'est ça. Qu'est-ce que t'as encore mangé, papy? Oula, oula, oula. Ça semble passer. Ah, là, et le coffre, si vous redescendez. Ça sent le pâté. Ah bah c'est à moi de l'ouvrir. Ah Gaelden, on a des grosses refs. Attention. On peut pas avoir des coffres à 2 quoi. 3. Ouais. Tout à l'heure je pense que il y en a eu un à 3 mais qui est resté avec un seul. Vu que t'avais les bandes lumineuses. On va mourir, oh, hein. Punaise, oh, punaise. Alors est-ce qu'on ferait pas une mort tactique? Bon, ça a l'air d'être fait. Hein? Pourquoi je suis mort et je res instant? Je sais pas, t'as peut-être un objet. C'est peut-être ton pouvoir. Toi t'as un pouvoir de. Une régénération de résurrection avec le diable. Toutes les 10 niveaux, un truc du style. Hein. Je crois que t'en as juste un gratuit avec le diable, c'est son. Voilà, sa gimmick. Par contre, ouais, tous les ennemis à côté du cercueil, ils ont grossi. Non mais c'est clairement le truc du cercueil qui les fait grossir. Ouais, c'est pas mal hein, ça force à protéger. Est-ce qu'ils font plus de dégâts ou ils ont plus de vie? Ils font plus de gros, donc ils ont déjà plus de touches. Ouais, je pense qu'ils doivent avoir au moins un peu plus de vie. Est-ce que je compte les dégâts pour l'équipe ou où il y avait d'autres trucs que vous voulez améliorer? La guérison me paraît pas dégueu là. Bon, parti. Je vais ressusciter bientôt. Rajouter un peu de DPS. Ouais, et moi je meurs. C'est horrible. C'est la fin. Oh, c'est chaud quoi. Hop, plus d'ail. Déjà que le jeu est pas facile de base. En vrai, à 4, il n'y a pas plus d'ennemis, vous pensez? Si. C'est pas forcément évident en vrai. Hein. Ou alors on a peut-être une barre de vie plus petite. Enfin réparti, un peu plus réparti. Bah, le truc du groupe, là, chaque personnage fait passer l'un de ses armes, oui. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, je suis mort. Et le gros champi, on n'arrive pas à le tuer. Ouais. J'essaie de placer mes machins, là, mais... augmenter le effet. Ah, il est mort. Non, en haut aussi, faut pas oublier. Protéger cette saloperie de cercueil. C'est bon, on peut monter. Barrons-nous. Pas de beaucoup parce qu'il y en a qu'au 2 PV. Faut monter mais pas trop avancer et qu'on reste groupé.
Ouais. C'est bon, on a plus d'air. On va progresser dans la droite. La bouille de pixels. Ok. Tiens, niveau 8 pour ton truc, c'est pas mal ça. Ouais. On va peut-être l'améliorer. Il y a des chevaux zombies qui nous poursuivent là. Non, ce sont des licornes. Elles ont pas de cornes. Ce sont des licornes quand même. Elles sont gentilles. Des licornes quand même. Du coup, je te laisse te faire rattraper pour savoir si c'est. Si elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Oula! C'était quoi cette attaque venue? C'était une attaque d'Amazon, ça, j'ai l'impression. Les lutins qui marchent. C'était la clochette, non? Oui! On a laissé un coffre derrière nous, non! Il est loin? Ah! On peut faire. Ah oui, il commence. Mais on est à mi-chemin pour la carte. Bon, bah on retourne en arrière. Si on peut. Défoncez-le! Ah non, je pars en haut. Je suis mort, attention. Ah, oula! Libérez mon. Je vais mourir aussi. Il y a des poulets tout à gauche, mais il faut protéger le cercueil parce que sinon ils grossissent. Mais... mince, je me suis confondu. Ah, ouf, ah, ah. Ça sent la fin. Au secours hein. Ça sent un peu la fin. Ah, la Bible, ça peut être bien. Quoique l'autre aussi, peut-être, mais. Quand elle veut, la Bible. Hein. Oh, oui. Ouh, le lance-flamme. Ah, le lance-flamme qui tombe bien là. Oui. On s'en fout des projectiles plus rapides. Il y a que toi. Oui. C'est bon. On est là. On fonce à droite. À gauche. Il y a un coffre, juste là. Allez, c'est parti. Non, Gaelden, vas-y, Yand. On résiste, s'il te plaît. On résiste. La baguette. Bon, c'est pas le plus utile, hein, mais. Oh, ça fait quand même. Ça aide. Ça repousse bien quand même. Ouais, mais ça, hein. Améliorer de l'ail est, je trouve, plus utile pour augmenter le range. Par contre, ouais. Faut qu'on progresse. Je vais aller chercher le corps, j'ai perdu ma vie. Y'a pas trop le choix, je pense. Hein. Y'a un lampadaire avec un peu de bol, un poulet. Non, de la thune, c'est pas ça. En bas. Mur. En haut. En bas. En haut. En haut plutôt, j'ai l'impression. En haut, d'accord. Ah, l'armure, ça aurait pu être bien aussi. Ça, je suis mouru encore. Un décès. Ah, les espèces de moutons, les moutons avec des cul, hein. Les moutons rennes. Les moutons rennes. Avec les moutons loups-garous pêcheurs. Les mourennes. Pas les murennes, les mourennes. Murennes. Un candélabre pour le petit démon. J'ai un candélabre, hein. Faut croire. Bah ben, maintenant, oui. En tout cas. On est où là. Allez, il est revenu à la vie. Ça fait quoi déjà le candélabre? Je ne sais plus. Ça augmente la portée. Ça améliore le. La hache, je crois. Ah, et oui, en combo ah ça. Ah, oui, c'est pour ça que je te l'avais pris. C'est pour ça. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Au-dessus des arbres et après en bas. Ah, oui. Je suis vieux man. Vieux man, c'est. Vieux man va décéder surtout. À droite. J'ai un peu eu l'impression que y a que moi qui ai la régène PV. Je suis mort. Oui, améliore le bouquin. En bas, j'aurais dit comme ça, bas, tu. Ouais. Comme ça, tu bloques. Comme ça, le jour où peut-être il sera amélioré. Ouais, il fait encore du taf là, mine de rien. Hein. Faut pas avancer trop vite, mais il arrive à faire du taf. Ouais. Allez, je suis bientôt là. Empêcher de grossir. C'est bon, je suis là. Ouais, moi j'ai. Ah, le coffre en bas, j'y vais. Un méga poulet pour tout le monde, qu'on récupère toute notre vie. Ouais, on peut pas, je crois, tant qu'on a encore des trucs à améliorer. Ouais. Oui. Il y en a tellement de trucs à améliorer, quoi. Ouais, bah, c'est ça, on débloque plein, on a plein d'armes, mais en fait, pour améliorer les trucs, c'est monstrueux, quoi. Bah on améliore que quand c'est à notre tour de monter niveau. En haut à droite il y a le lance-flamme. Ouais, mort. Ah attendez. J'ai. Et un poulet. C'est moi du coup plus améliorer tout le monde. Ouais. Ou alors les armes ont un projectile je sais en plus. Pas si t'améliores le mec qui est mort. Peut-être. Si, il y a les 4 bonhommes. Il y a son symbole donc j'espère. Ouais.
semble. Mais sinon, projectile en plus, je crois que tout le monde a des trucs qui... Ouais. Presque. Je sais pas, moi ça jouera sans doute pas, mais pour les autres, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et quoi d'autre? Il y a le... J'ai les H, donc ça jouera sur les H. Ça joue sur les H, ça joue sur la baguette, sur ça les croix. Ça joue sur les chakras? Ouais. Je pense à des projectiles, okay. Ouais. Enfin, après, je suis pas certain, mais... Est-ce que ça joue sur le lance-flamme? C'est un projectile. Mmh. Allez. Ok, on progresse. On va s'en sortir. We can do it. Est-ce qu'on verra la mort? C'était la question. Au centre. Oula, tu veux passer par là? Bah, tu pas, sur le côté, t'as l'océan, donc... Je pensais... Ouais, j'essayais plus haut, mais ok. Peut-être pas... Et t'avais des gros arbres sur le côté. Et je suis... Ouh. Ah ouais, non, là, c'est la meurtre religieuse qui nous pop en plein devant pour nous bloquer, quoi. C'est ouais, non. Ça. J'essaie de te suivre. Je crois que c'est le décès. C'est le décès. Elles sont dures, hein, les maps de DLC, hein. Ah, le couloir comme ça, il est sympa. Hein ouais, c'est clair. Bon. 31k, hein, là, quand même. Mm-hmm. De dégâts. Meilleur DPS. Bah, meilleur DPS de ce perso, faudrait regarder les autres en haut à droite. Ouais. Je sais pas qui c'est qui peut bouger ça. Je pense que c'est toi. C'est moi, mais on dirait que je peux pas cliquer. Si des fois je peux cliquer, des fois faut que je fasse entrer. Ah bah ouais, c'est toi qui as le meilleur DPS, hein, déjà 213. Salut Gelden. Salut Gelden. Bisous bisous. Des bisous. 213, 209, t'es pas si loin. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mm. Ah, ça marche bien les croix quand même, quand ça vise bien. Ouais. Eh, on s'en fait une. Ce qui est bien, c'est que ça va quand même relativement vite. Mais tu peux pas racheter des bonus avec ton or? Avec 7000, pas sûr. Hein. Vérifier, mais... Ça dépend où t'en étais, dans quel ordre tu les as pris. 2000. L'XP, ça peut être bien. Hein. Ou la Resurrect. Non, la Resurrect, c'est 10 000. Ouais, c'était 10 000. Deux fois par an, pardon. On peut obtenir de l'XP au lieu des choix lors du passage au niveau supérieur. Ouais, bon. Bannir des trucs, c'est pas ouf. La portée, l'armure. Tu vois, ils n'ont pas acheté de l'armure. Enfin, j'aimerais bien économiser pour acheter le dernier perso aussi. Il est à 16 000 là. Ah oui! Mais j'ai pas l'impression qu'on gagne beaucoup plus d'or à 4 par contre. Ah, il fait de la santé. Je suis pas convaincu. Je vais prendre, le mec qui soigne avec son bâton. Là. Tu vas peut-être faire B alors, non? Ah non, mince, désolé. Ah, qui m'a désactivé. C'est moi qui ai appuyé sur B. Bon, après, augmenter de la santé quand je prends du soin, non, c'est peut-être pas pertinent. Il a pas d'autre skin, lui. Yep. Prendre le panda avec son... sa noix explosive, là. Il fait quoi, le chien, d'ailleurs? Je sais pas. D'accord. Je l'ai jamais utilisé, je crois. Je pensais même pas l'avoir débloqué, donc... Peut-être des trucs en multi qui sont débloqués ou que j'ai débloqué dans les avec les DLC, j'ai pas fait gaffe. Mais... Mm. Allez. On va aller voir ce qu'il fait le chien. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Sinon, je le prenais, hein, comme tu veux. Obtiens les projectiles bonus tous les 20 niveaux et il se bat avec des fleurs. C'est exactement toi. Écoutez, moi je dis. Et le spectre est à côté là avec sa roue. Je suis Milou. le spectre de lait là. Pareil, ouais, c'est la même description pour les trois. Hein. Ouais, pour les quatre. C'est les personnages qu'on débloque sur les maps. Avec des armes spéciales que seuls eux peuvent avoir qui sont pas débloquables. Allez. Ah, mais les fleurs, c'est forcément bien. Ça, c'est le champ de mana. Ça fait des vagues de dégâts au-dessus et en dessous. Ah, oui. Je l'avais pris avec un perso. C'est ça, allez. En vrai, s'ils sont allergiques au pollen, dans 78 ans, on a gagné. Non, vous voulez constante un truc un peu plus classique. La bibliothèque, c'est bien, c'est linéaire. On peut aller qu'à gauche ou à droite. Ouais.
Il y a la tour de Max. J'ai pas pris le truc vertical. Il y a la tour de Galou, ah, j'ai pas fini encore. Allez hop, allons-y. La tour de Max. Très bien. Oh oui, je jette des fleurs. Je jette des fleurs. Jette des fleurs qui soignent. C'est excellent. Ça nous soigne. J'espère que je fais des dégâts aux ennemis quand même. Ça a pas l'air très clair. Ah, c'est moi qui balance les wagons qui font gauche-droite, d'accord. Alors, les fleurs, c'est pas clair. Bah, les fleurs, si je vais dedans, ça me soigne. Mais je suis pas sûr que tu fasses des dégâts aux ennemis. C'est pour ça que je dis que c'est pas clair. Oh, ouais, sûrement que si. Ah si, le gaz. Le gaz, sinon, tu pourrais pas réussir à monter de niveau, donc... Je fais quoi? Les épinards pour tout le monde, ouais, la relique ou la baguette veux. La baguette c'est pas mal, mais comme tu veux. Ça sera peut-être ah, ça moins, donnerait ça sera du peut-être DPS sûr quoi. Ça sera ouais, plus c'est clair. Ça. Pour toi. C'est plus clair. Mais en fait, le gaz que je laisse derrière. Ah oui, non, c'est moi qui laisse le gaz. Si, si, je crois que tes plantes là. Et... Après, il y a mes trucs qui explosent en pétales. Enfin, c'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Portée de base, tour autour de votre personnage. C'est bien les trucs qui tournaient autour du perso ou l'ail. On va prendre ça parce qu'il y a peut-être pas besoin de porter. Pour le coup, le wagon, il aurait été bien dans la bibliothèque. Quoi. Enfin, encore que là, il rebondit. Ouais, je savais pas que c'était un wagon. Mais les plantes qui soignent, ça peut être vraiment bien en multi. Voilà, on a Conan qui part au combat. Des candélabres. Ah mais oui, mais il y a des pièges. Faut faire attention où on marche, ouais. J'ai fait exprès de marcher dessus, mais faut faire attention. Ouais, c'est ouvert. Ils vont exploser. Oula. Ah. Petite déco. C'était chez moi le freeze ou... Non, je l'ai eu aussi. Ah, j'ai rien vu. Tout le monde est en vie. Pas de soucis. Oui, oui, c'était très léger. Non, parce qu'en fait, j'ai eu un freeze et j'ai eu... tu sais, la roue autour de ta souris quand Windows y cherche quelque chose. Ah oui, genre quand ça répond plus. Ouais. Et en bas à droite, il y avait un petit symbole. Je suppose que c'était une antenne. J'ai pas vu. Ouais, peut-être un petit micro coupure, peut-être. Ouais, bah après, comme on disait, hein, le PC, mine de rien, il stream le jeu, il stream le live, il record en même temps. Et c'est pas le jeu le mieux pour les encodeurs. Ouais, il y a un petit peu. Il y a tendance à avoir. Bah, l'orbe, non? Ça c'est fait. Non. Okay. Oh, non. J'étais sur l'orbe. Bah non. Je dois avoir un problème avec ma manette. Ouais, j'ai oublié qui me criait ah le miroir, mais non, parce qu'il y a un miroir magique dans cette zone, mais c'est pas. Mais de toute façon, on l'a déjà fait le miroir magique. Je dois vraiment avoir un problème avec ma manette. Bah, je te donne le brassard. Allez. Ah, je crois que le wagonnet va un peu plus vite aussi, du coup. Attendez-moi! Allez, ballon! Voilà. Ah, le wagonnet dans le petit goût d'étranglement, là, il fait le taf. Hein. Ah, mais le wagonnet dans la forêt, là où on était quand on est mort, il doit être hyper efficace. Ouais. Mais je sais pas s'il rebondit beaucoup. Ouais, est-ce qu'il rebondit un certain nombre de fois ou est-ce qu'il dure un certain temps, quoi. Je crois que c'est un certain temps, de ce que j'avais lu à l'instant. Mais ouais, quoique là, il a rebondi sur quelqu'un et il s'est arrêté, donc c'est peut-être un certain nombre de fous. Et peut-être les deux. Peut-être un certain nombre de dégâts distribués aussi. Hein. Mmh. Attention au symbole au sol. Trop tard. Oups. Attention à l'explosion. Attention, c'est ouvert. Oh super, il y en a un avec 4 bras. On dirait moi le matin. 4 bras, 4 fois plus de chocolat. Bah c'est ça. 4 fois plus de chocolat. Arrêtez, Chobiti va courir partout. Là. Bah c'est bon chocolat. Tiens, bah réduis la recharge, cette fois prends le bon truc. C'est pas moi là. Est-ce que je l'ai pris? Bah non, t'as vu? Ouais. Y a pas que moi. Bizarre, pourtant t'étais sur ça, pourtant je t'ai vu sur ça. Oui. Donc y a pas que moi. C'est bon. Donc, j'étais bien sur... On va perdre parce que je buguais, bravo les gars.
Non, c'est pas nous qui beugons, c'est ta connexion. Donc, ce n'est peut-être pas la faute de ma manette, je suis content. Moi, je dis que c'est totalement la faute de ta manette. Vérifie quand même, parce que il y avait que elle qui tournait en boucle à la sélection des champions. Non, c'est pas ma manette. Je vais pouvoir la garder 12 ans de plus. Il faut peut-être juste la démonter, dépoussiérer et tu la remontes et tu la regardes 12 ans. Après, j'ai joué Elden Ring, c'est peut-être ça. Durée de l'effet plus une seconde. Bah, c'est pas mal ça. C'est de la poudre céleste ton arme. La classe. Ouais, c'est voilà. Un bouquet de fleurs. C'est ça. Un bouquet de fleurs céleste, s'il te plaît. Et un enfoiré qui nous jette des boules dessus. Je suis un chien céleste. Attention au truc en bas. Et pas le chien de céleste. Elle a un pigeon. Il y a un coffre. Ah, le coffre. Elle a un pigeon céleste ? Dans le jeu céleste, oui. C'est Madeline. Je me souviens plus. Après, il faudrait que je refasse ce jeu. C'est moi. Portée de base 20%. Ouais. Mais du coup, on améliore tout le monde. Vas-y. Oui, tout le monde reçoit de la portée. Ok, ça l'a donné à tout le monde. Moi, j'étais un petit peu perdu dans. Quand c'est moi, c'est bon. C'est la bonne sélection. Faut peut-être aussi éviter avec le lag potentiel de faire bas entrée directe. Peut-être. Peut-être. Ouais, attendre d'être bien sur le truc. Avec peut-être qu'on en perd plus sinon. Après, vu que ça vient d'être récemment ajouté, il y a peut-être encore des micro lags ou des. Oui, puis le remote play together ça marche bien, mais les lags, il y en a quand même. Oui, bah après. Je pense que le combo de Osol Mio avec ses fleurs et le mec là que j'avais pris à la base qui gagne de la vie quand il se soigne et qu'il est plein. Ça doit être hyper fort, alors, ouais. Là t'es sur ça les arbres. C'est ça, c'est le la... Non, j'appuie une fois vers le bas. Là, t'es sur et le... ça descend deux fois. Ah. Là t'es sur le tome chez moi, là t'es sur le poignard. Ouais, mais pourtant j'appuie qu'une fois. Hop, et j'ai pris le tome, tant mieux. Ah, c'est un peu bizarre. Ouais, bah peut-être que ça lag un peu, hein. C'est vrai que... Ah oui, non, mais après... Vous avez tous les deux si ça... cassés. Pourtant, j'ai eu aucun souci la semaine dernière avec. Non. T'as essayé en multi. En vrai, moi, ça fait plusieurs fois que je me demande. Mais il y a même des viewers qui m'ont dit que j'avais peut-être un problème de manette. C'est des fois, j'ai l'impression que j'ai des micro lags sur ma manette. Dégâts de base. Mais écoute, donc, là, tu peux pas te gourer, c'est que des trucs que t'as déjà. Est-ce qu'il serait pas en train de se moquer de moi? Non. Quoi. Comme si c'était mon genre. Là, je n'ai pas appuyé sur bas et c'est descendu tout seul. Bah moi, je t'ai vu descendre. Là, je t'ai vu monter. Mais oui, mais je n'appuie pas, c'est ça le pire. Là, j'ai appuyé une fois et c'est descendu deux fois. Ouais, t'as la même chose. En fait, tu dois appuyer une fois et dès que ça arrive dessus, tu dois cliquer. Ou sinon, ça remonte deux fois si tu laisses une seconde. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas pris le bon objet. Tout à l'heure. Toujours des excuses. Hein. Mais non, mais. C'est comme quand tu me donnes pas tes vidéos, ça. Hein. Toujours des excuses. Hein. C'est vrai que j'ai toujours tourné deux. Et si on essaye de tuer le petit démon, là Lequel? Ah oui, le bleu en haut. Le bleu, il y en a une, elle est compliquée à tourner. Et l'autre, il faut que je m'imprègne du jeu. Tu vois, des excuses, c'est bien ce que je disais. Ah, mais sinon, je peux te la tourner comme ça, hein. Ça m'arrange pas. 32 dégâts de base, la vache. Hackett, il avait plus 5 avec ses fleurs, quoi. Ouais, par contre, c'est pas la même. Lui, il en a en permanence, hein. Oui, c'est un nuage en permanence. On est d'accord, c'est pas la même chose. Tu crois que ça donne un autre carte? Je sais pas. Je pense pas que ce soit un projectile. Eh, regardez, moi j'ai fait une fois en haut, ça reste au mieux. Hein. Ouais, non, mais. Ah, bizarre. Des excuses, hein, toujours. Hein. C'est vraiment bizarre ce truc. Ouais. Ah, moi je clique au milieu, ça clique au milieu. Hein. Je crois qu'il se moque de nous.
Ouh, il devient costaud ton kart là. Mm. Il commence à être un petit peu plus gros là. Ah, on a truc maudit. Hop. Bah, c'était pour moi en plus. Attends, je vais tenter de la prendre, j'appuie sur OK. Ok, on peut débloquer des trucs bonus si on les trouve au sol. Oui, c'est ça. Ça, j'avais remarqué aussi dans le jeu de base, quand on est à fond et qu'on trouve quelque chose au sol, on peut avoir plus de trucs. Mais il faut le trouver au sol, quoi. Mm. Tiens, marrant, il me semblait qu'il demandait d'en enlever un, moi, dans mes souvenirs. Mais... Après, c'est peut-être... T'as peut-être testé le jeu avant, moi. Peut-être qu'ils ont changé la vie. Il va faire gaffe, il va finir à la broche, hein, comme ça. Par contre, celui qui soigne, c'est celui qui a le moins de vie. Ah oui, c'est pour ça, arrête de courir partout, il va prendre ta vie, chien. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut que tu te déplaces et que tu reviennes dedans, quoi. Ou... Ouais, faut marcher sur les... Et quand c'est l'explosion de fleurs, c'est le panda, c'est ça? Ouais, moi je balance des petites noix qui rebondissent sur les ennemis, puis qu'au bout d'un moment, elles explosent. Non mais ça fait des explosions de fleurs et moi je vais être des fleurs, ce n'est pas trop pratique. C'est ça qui capture un peu. Je me demandais à un moment si l'explosion de fleurs ça soignait aussi. Alors en fait j'étais toujours en train de me dire, je croyais que c'était moi l'explosion de fleurs en fait depuis le début. Non, il lance des petites noix là et quand les noix elles arrêtent de bouger, elles explosent et font des pétales. Attention, il faut passer la... Le bordel. Armée de gobelins. Ouais, j'avais envie de marcher sur le... Sur le pentacle, désolé. Je vais faire simple, je vais prendre le poignard amélioré. Ouais, parce qu'après, à force de prendre l'amulette de l'amitié, hein, tes armes, tu les améliores. Il y a un gros crâne là. Ouais. Bon. Je vais prendre mes fleurs. Ah bah voilà. Ah ouh, un 5. Ah, on va voir comment ça gère. Apparemment, ça a l'air d'être le même. On va voir, ouais. Ouh, 5. Le 5 qui sort. Ah ouais, c'est pour le même. 5 pour le panda. Oh bah, c'est que des trucs que t'as déjà, donc... ouais. C'est rentable. Hein. Trois fioles et deux armes d'attraction. Hein. Ça fait bien plaisir. Hein. Ça va un petit peu augmenter le DPS ouais, tout de suite là. Ça couvre un peu plus la map. Et ça c'est beau. On veut de la chance. Bon le brassard c'est pas mal. Bon. Ok. J'ai plus de vie, au secours. Ouais, attention au PV mine de rien. C'est pas clair hein, les fleurs. Écoute, tu te bats avec des fleurs mec, j'ai envie de te dire. Tu t'attendais à quoi? T'as des idées bizarres déjà. Tu as un chien qui se bat. Un bon. Chien qui se bat avec des fleurs. Il y a encore avec un déjà... journal, bon, ok. Des fleurs quoi. Je suis sûr qu'il y a bien un film chinois où l'héroïne ou le héros se bat avec des fleurs. Et tabasse les autres. On prend la thune. Ou alors les ennemis. là-dessus. M'a l'air un peu maudit ce panda quand même. Je suis le seul à avoir tiré un coffre à 5, donc je vais pas me plaindre. Non mais ça c'est la chance du streamer. D'ailleurs, l'intégration Twitch ne fonctionne pas en multi. Hein. On avait parlé avant de lancer le live, mais visiblement. Alors. En même temps, ça serait un peu abusé. Quoi. Ce serait surtout bien le bordel. Ouais. Au niveau connexion, ça doit être bien le bordel. L'intégration Twitch, normalement, ce qu'elle fait, c'est que les viewers peuvent voter pour les objets à chaque niveau. Le problème c'est que chaque niveau du coup t'attends 30 secondes quoi. Tant que bon. Je crois qu'il va falloir les fleurs, patienter les prix. Un peu. J'ai l'impression que c'est les fleurs. Hein. Waouh, ça va être tendu de feu. Je ferai un chemin vers le bas on dirait. Mm-hmm. En y allant doucement.
Faut attendre les flasques là qui font le feu au sol. L'avantage c'est que le chien nous soigne quand on est sur place aussi, c'est facile. Ah, le kart il rebondit sur nous. Tiens, c'est sympa. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je m'en suis pris un dans la face. Ah, j'ai pas fait gaffe. Désolé. Mais ça m'a pas enlevé de PV. Ouais, mais je pense pas qu'il s'améliore après. Alors que la Bible. On a vaporisé un pirate. Je m'attendais à ce qu'il ait un trésor. Bah, c'est ça. Il y a une harpie. Il y a une harpie. A4 ? Pourquoi t'es pas déjà en train de lui taper dessus ? De quoi ? Mais non, mais les harpies, c'est gentil. Faut les garder en vie. Les harpies sont nos amis. Il faut les aimer aussi. C'est ça. Il faut les garder en vie. Allez. Quoi pour qui ? Ah. Le masque. Bon. Te donne un. Ça fait plus. Ah non, tu l'avais déjà. Non, je l'avais déjà, ouais. Plus 10% de pièces d'or en plus. Comme ça, moi. Bah, c'est pas toi qui voulais 16 000 balles pour. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris, hein. Assume ouais, totalement de prendre la thune. Hein. Vraiment 60% de chance d'exploser. Allez. Elles explosent déjà souvent. Ouais, bah, on en voit la différence là. Il y a un peu plus de pétales sur l'écran déjà. Après, pour les objets à débloquer, tu peux. Je sais qu'il y a un build opti pour débloquer dans tel ou tel ordre pour tout avoir moins cher. Quoi. Genre, tu peux relancer, tu peux dire j'ignore tout, enfin j'annule tout. Et après, t'achètes d'abord les trucs chers, je crois, et puis après les trucs moins chers. Oui, bon, après, j'avoue que moi j'ai pris les trucs qui me semblaient fun au moment où ça tombait, quoi. Théorie crafting. Le problème, c'est que comme chaque perso que tu rachètes est de plus en plus cher. Par contre, les persos, ouais, tu les as achetés, tu peux pas les revendre, je crois. Ouais, revendre les gens, mais c'est un peu dégueulasse. Tu dois sûrement avoir un moyen de reset complètement ta partie, mais du coup, tu repars sans or, quoi. Oui, ça c'est. Sans aller jusque là. On est à la flèche. C'est cette fiole qui la prend. Tout le monde. L'arme de la sorcière. Permet d'activer le mode course dans la sélection du niveau. Ok. C'est-à-dire ? Bah, ça doit être qu'il doit y avoir un mode de jeu. On est trois morts. Visiblement, les machins ils sont venus protéger l'arme de la sorcière là, ils nous ont défoncé, la vache. Ah, les 10 chevaliers qui ont popé sur nous, tu vois. J'avais zappé qu'il y avait un truc qui popait quand. Bah, j'avoue, là. Ah, je suis vivant. Ouais, alors. C'est bon, on va vers le nord ou on retourne quand on remonte. Tirons-nous. Ah, nickel, des fleurs. Donnez-moi des fleurs. Ce sont les fleurs de l'amitié. Oula. On n'est pas un peu dans la merde là ? Non, il y a un méchant qui a plein de gros, mais j'ai pas pu protéger 3 cercueils. Du coup, ils ont tous bouffé vos cadavres. L'avantage, c'est qu'ils ont disparu visiblement. Ils nous poursuivent pas quoi. Ou ils sont déjà morts. Oh, la baguette magique, level 3. Tu vois, t'arrives à aller au milieu. Encore des excuses. Ouais. Et là, ça le fait plus. Ouais, il y a peut-être un petit lag. Ah, c'est peut-être ça le micro-freeze que j'ai eu. Bon, l'eau bénite, faut que t'interdises du bon côté, par contre. Là, parce que sinon... Tu vois pas mon perso, il y a trop de trucs à l'écran. Ouais, ça commence à devenir tendu de progresser là. Ça ? Ouais, bon, en gros. Hein. Ah, portée ! Donc ce serait peut-être bien une portée, donc un nombre de cases. Un nombre de cases par tour. Mais j'ai l'impression que c'est un peu les deux, puisque je le vois pas rebondir plus de deux fois non plus. Vous essayez de descendre ? Je sais pas. On ne fait pas en tournant rond actuellement. Un peu, ouais. On va augmenter l'eau bénite.
Et on restait à 4. Descendons, allez. Ah, ils sont... Si on prend les labs qui vont exploser là. Ah, c'est les candélabres explosifs, c'est pas les de base. Oula. On sait pas, on peut enfermer dans la merde là. J'ai l'impression qu'on est un peu acculé. Mais non, on va faire des dégâts et on va s'en sortir. D'ailleurs, il n'y a pas une flèche d'un coffre qu'on aurait laissé traîner. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de boss. Bah là, justement, il ouais. suffisait de le demander. Je ne le vois pas. Moi non plus. Il est entre nous, quatre. Mais je suis pas sûr. Tout dégâts plus 10%. Ouais. Ouais, je crois qu'on l'a tué. Bon, il nous a rien donné. Ouais. Sans pareil. Sûrement une gemme rouge. Une gemme rouge ouais. Ouais, ou alors il donne plus souvent des gemmes rouges, peut-être. Ou... oui. C'est tendu du string, hein. Je vois pas pondre... je vois pas le timer par contre. Ah si, 14h50. Allez, pour tout le monde, un petit niveau de plus là. Je devrais pas soigner plus de 1 là. Oula, c'est quoi ça? Oups, trip. Ah non, pas encore. Vas-y, améliore ton poignard, comme ça il sera... Le poignard? Ouais, comme ça il sera à fond. Et si on a un coffre pour toi, ouais. Ça devrait t'améliorer ton arme. Je crois qu'on avait pris le truc. C'est le brassard, donc c'est pas moi ouais. qui pourrais l'améliorer. Qui mais... Ouais, est-ce que ce sera un coffre pris par toi ou pris par Zikino? Si on arrive à trouver un coffre, on verra. C'est ça. Avance pas trop, reste pas des fleurs. Hein. Encore du dégât. Bah, allez. Épinard, hein, ouais. Tout plein, 10% c'est pas beaucoup, mais 10% c'est quand même 10%. Quoi. Ouais, enfin, c'est flat. Ça commence à faire. Hein. Non, mais c'est ça, 10% à chaque fois, ça fait beaucoup, mais une seule genre, fois. On arrive à tuer les dragons, ce qui arrive quand même assez rarement en solo. Ouais, tu veux ça? L'XP c'est peut-être un peu tard. Je sais plus trop combien de projectiles. Moi j'ai des projectiles, ça augmente peut-être les fleurs aussi, ça augmente les poignards, les trucs de la baguette. Ouais, y'a moyen que ça augmente quand même pas mal. Hein. Allez go. Les fleurs j'ai l'impression. J'en envoie 4. Oui, ça améliore la Bible aussi. Oula, il y a plein de vampires pirates. Ouais. Et plein de vampires pirates. Il y a du peuple. Là. Il y a du peuple. Restez proche du chien. Le meilleur ami de l'homme. J'essaye de m'en sortir déjà. Je suis là. Vite. Hop. C'est qu'à 18. Portée de base et un projectile de plus, ouais. Un peu de DPS, ça sera pas de mal. Hein. Ah, mais t'as pris un lance-flamme. Oui, c'est pour ça que j'ai fait vite. Progressons. Voilà, on a réussi à survivre un peu plus longtemps. Merci ah, le kart, il a grossi là, je viens de voir. Ouais, ouais, il est vénère, hein, le kart. Oh, putain, la vache, la vague de projectiles. Allez, ah. Oups, trip hein. Tendu là. Comment t'as chargé dans les candélabres là? J'ai ouvert la porte. La violence. Ah oui mais. Barbare. T'es peut-être pas obligé. On est acculé comme à 29 minutes. On a un coffre. mais c'est pas un coffre à 5 branches. Non, mais avec un peu de bol, on va pouvoir améliorer le poignard. Non. Non. C'est une nouvelle baguette magique. Oh, ça va quand même faire un peu plus de projectiles. Pour ça de prix. Toujours un peu plus de DPS, hein. Yep.
si ça se trouve, il fallait que... Ils sont vénères, hein. Ça se trouve, fallait qu'on prenne les bons objets avec les bonnes amulettes là. Ah bah, je pense. Tu veux dire les bons objets avec les bons persos? Ouais, les bonnes armes avec les bonnes amulettes. Pas qu'il y en a un qui est le poignard et l'autre le gant. Ouais, non, parce que sinon ça indiquerait pas quand on prenait le niveau. Oui, il y a un gros chevalier avec un bouclier là. Alors. Sinon, ce serait quand même vachement chiant. Je me suis suicidé, je suis désolé. Qu'est-ce que t'as fait? Qui est mort. Et j'ai pas vu. Il était pas assez gros, Zézin? C'est mon perso qui était trop petit, surtout. Je suis décédé. Bah ouais, du coup, on va en chier. Hein. J'ai essayé de protéger le coffre, mais... je suis décédé aussi. C'est la fin. À la fin, à chaque fois... En même temps, la taille des mobs, ils font un tiers de l'écran. Oh, la violence. Débloquer le mode course. 220 de DPS, 75 de DPS, 59 de DPS, 77 de DPS. Ok, c'est la bombe flamboyante là, elle a fait le taf, mais. Par contre, j'ai toujours pas compris les fleurs. C'est pas clair. Tu vois, que les flingues ou les croix, c'est clair, tu vois. Ouais, de toute façon, ces persos-là, ils ont des trucs bizarres. Hein. Le squelette qui balance des os, c'est pas forcément très évident non plus. Vous voulez en faire une autre? Comme tu veux. Ouais. Ouais, je vais juste couper le record, ça fait une heure de VOD, si vous voulez dire au revoir à la VOD. N'hésitez pas. Des bisous. Au revoir à la VOD. À la prochaine.